Salut bande de petits vénards! Alors aujourd'hui je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de gagner énormément de temps et de gagner aussi pas mal d'argent. Alors c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de créer facilement en quelques clics des titres, des introductions de blog. Vous pouvez créer des articles entiers, des emails, des pubs Facebook, des pubs Google. Des bios, des pubs, des vidéos, des titres de vidéos YouTube, des descriptions de produits Amazon, des pins Pinterest, des descriptions de produits. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Des posts LinkedIn, des slogans, un générateur de slogans, des descriptions Shopify, des lettres d'amour. Des métadescriptions, ça c'est important pour le référencement. Des réponses à des questions sur par exemple Quora, des conclusions d'articles de blog. Alors, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, par exemple, on va prendre la création d'un article en entier. Donc là, vous allez mettre le titre de votre article, le contenu que vous voulez générer, des mots-clés. Alors, si vous êtes à court d'idées pour les mots-clés, je vous conseille d'utiliser un outil, un générateur de mots-clés, le générateur de mots-clés Google qui est gratuit. Voilà, on a tout rempli correctement et on appuie sur Create. Voilà, et là, il nous a créé des articles entiers. Donc là, il nous en a créé trois. Donc le premier fait 569 mots. Hein, donc vous pourrez voir tranquillement la qualité des textes. Hein, alors évidemment, ce sont des textes uniques, hein, ce n'est pas des textes qui ont été copiés à droite à gauche. Voilà, alors je vais vous montrer un autre exemple sur une autre thématique. Alors voilà, par exemple, un autre exemple, quels sont les logiciels les plus utilisés pour les entrepreneurs et auto-entrepreneurs? On rentre ces mots-clés, on appuie sur Create. Alors tout ça est très rapide. Voilà, il a créé les articles. Là, il y a un article de 531 mots, hein, qui est assez qualitatif. Alors évidemment, on peut faire des petites corrections, apporter des modifications. Voilà, je vous montre un troisième texte, comment gagner de l'argent selon l'entrepreneur milliardaire Warren Buffett. On rentre ses mots-clés, on appuie sur Create. Donc tout ça se fait en quelques clics. Il faut savoir que la rédaction de contenu est très demandée sur des sites comme 5 euros ou Fiverr. Vous pouvez vous faire payer assez cher pour la rédaction de contenu et là, vous faites ça de façon automatique. Ça vous prend que quelques minutes. Voilà, là, il a créé encore trois textes. Un de 316 mots, un de 480 mots. Très qualitatif. Alors, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer l'éditeur. Par exemple, on va rentrer une phrase. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'éditeur? Vous pouvez, par exemple, demander la réécriture d'un titre ou d'une phrase ou carrément d'un paragraphe. Hein, on appuie sur Rewrite. Et là, il vous a réécrit la phrase. On peut, avec l'éditeur, ensuite créer des paragraphes. Tout ça est fait automatiquement avec l'intelligence artificielle. Alors, vous pouvez écrire comme ça des articles assez longs de 2000, 3000, 5000 mots ou 10 000 mots avec l'intelligence artificielle. Vous allez par exemple créer une intro, le titre de votre texte, l'intro, le corps du texte. Et puis après, vous allez faire la conclusion. Ici, là. Avec cette intelligence artificielle-là, pareil, on rentre quelques phrases en mettant les mots-clés, il va vous sortir une conclusion. Alors, à quoi vous sert cet outil? Bah, cet outil, comme vous l'avez vu, vous sert à gagner énormément de temps et d'argent. Ça vous sert pour votre blog ou pour mettre vos liens d'affiliation sur des sites comme Quora.
Mais ça va vous servir surtout aussi à gagner de l'argent sur des sites comme 5 euros, Fiverr. Je vais vous montrer comment. Alors tout simplement en proposant vos services, hein, vous voyez que sur 5 euros ou sur Fiverr, hein, qui est plus axé sur le marché anglo-saxon, en créant par exemple des poèmes, des lettres d'amour. Hein, là, vous voyez par exemple cette personne a eu 32 avis positifs et avant ses poèmes pour 10 euros. Hein, donc 32 avis positifs, en fait, il y a peut-être que 10 ou 20% des gens qui laissent des avis, donc évidemment, elle a eu beaucoup plus de ventes. On peut évidemment faire de la rédaction d'articles SEO. Par exemple, là, cette personne a eu 3 500 avis. Hein. Donc, vous voyez, si vous proposez votre service 5 euros ou 60 euros, là, par exemple, comme ce qui est recommandé sur cette page de vente, ça fait tout de suite beaucoup d'argent. Hein. 3 500 ventes à 60 euros, ça fait beaucoup d'argent. On peut reformuler des textes, hein, on peut le faire avec l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, on va revenir dessus un peu plus tard. La rédaction d'articles SEO, hein, 60 euros recommandés pour un article SEO, hein. Vous regarderez, vous ferez vos propres recherches sur 5 euros. Les métadescriptions, hein, on peut créer des métadescriptions pour son site internet. La rédaction de publicité Facebook ou Google. Là, c'est la rédaction de poèmes. Des paroles de chansons. On peut le faire aussi avec l'outil que je vous ai présenté. Qu'est-ce que c'est que ça? Le résumé fidèle de vos textes. Hein, pour qu'il n'y ait pas de duplication de contenu. De la rédaction de fiches de produits sur Shopify. La création de slogans ou la description de produits sur votre site d'e-commerce. Alors, je vais revenir un peu en détail sur toutes les fonctionnalités de l'outil. On va là dans les assistants, voilà, on voit les titres, les blocs d'intro, le corps du texte, les pubs Facebook, les emails, les textes d'email. Les contenus de pub Google, hein, il y a vraiment beaucoup de choses, vous regarderez ça en détail. Les pins Pinterest, les descriptions de Pinterest. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, là, ça c'est la rédaction de contenu. Hein. On peut la réécriture de contenu, pardon. Hein, on peut réécrire des contenus pour qu'il n'y ait pas de duplication de contenu, hein, ce qui est pas bon pour le référencement. La rédaction des shorts dans vos stories, hein, les posts LinkedIn, la génération de slogans, des résumés, les FAQ pour vos sites, les descriptions de produits Shopify, les pubs Bing, Pinterest, les messages de texte dans Slack. Voilà les lettres d'amour qu'on a vues tout à l'heure, les métadescriptions que vous pouvez vendre, les conclusions, un générateur de blog, un générateur d'idées pour votre blog, les réponses sur vos questions. Hein. Par exemple, sur Quora, il y a des gens qui posent des questions, et ben vous pouvez répondre comme ça aux questions, puis après leur proposer quelque chose de payant en mettant des liens d'affiliation. Voilà, enfin, il y a énormément de choses. Alors évidemment, vous allez retrouver l'outil dans la barre de description. Ce n'est pas un abonnement mensuel que vous paierez pour avoir accès à l'outil. C'est une licence à vie, ce qui est très intéressant. Vous verrez, il y a plusieurs forfaits. Moi, j'ai pris le forfait illimité. Et vous aurez évidemment accès à une formation complète de l'outil. Je vous laisse voir ça en description. Je vous dis à très bientôt. C'est un outil, faut plutôt voir ça comme un investissement puisque vous pourrez évidemment l'utiliser pour vos propres besoins, hein, pour vos articles de blog ou pour vos contenus sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez revendre vos services sur des plateformes comme Fiverr. Ou 5 euros. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne chance, et puis on se revoit prochainement pour d'autres nouveaux outils. Salut, bande de petits vénards!